Get ready for a new episode of Novum Bros. I fully intend to pay for... Hi, Kevin! Get to the car! Malcolm! Ow! Malcolm, you okay? I think so. Ow! Hold still. Come here, let me see it. Let me see it. How does it look? He has an IQ of 165. Who? Malcolm. He's a genius. He's going to special class. What? Comme la semaine dernière, juste avant de commencer, je vous rappelle que j'organise une séance dans un cinéma où je vais projeter en avant-première une vidéo sur laquelle on pourra débattre à la fin du mois de novembre. Toutes les infos et le lien de la billetterie sont dans la description et en commentaire. Malcolm, ou Malcolm in the Middle dans son titre original, est une série culte qui a marqué l'enfance d'au moins toute une génération. Diffusée en France sur M6, elle jouit encore aujourd'hui d'un capital sympathie très important. Et alors que Bryan Cranston, un des acteurs principaux de la série, semble déterminé à offrir une suite à l'œuvre, je trouvais intéressant de se pencher sur ce show extrêmement représentatif du début des années 2000. Car, en effet, c'est en 2000 tout pile que Linwood Boomer, ancien acteur pour des séries comme La Petite Maison dans la Prairie ou encore Les Feux de l'Amour, réussit à tourner un pilote pour son projet. Ce dernier est né en partie grâce au hasard, alors qu'il raconte régulièrement des anecdotes d'enfance à des amis qui lui conseillent d'en faire un scénario. Gail Berman, qui vient d'arriver à la Fox, reçoit le script et le valide immédiatement. La chaîne télé était en quête d'un nouveau succès pour une série live-action à côté de leurs deux gros mastodontes de l'époque, les Simpsons et X-Files. Comme pour chaque nouveau projet audiovisuel, des projections tests sont préparées et mises en place. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas la folie. Pourtant, Gail Berman n'en démord pas et la diffusion commence. Assez rapidement, Malcolm trouve son public. Il finira par devenir la série culte qu'on connaît aujourd'hui. Pour l'anecdote, ils ont tourné une fin alternative qui est disponible dans les bonus de Breaking Bad, où le personnage principal de Breaking Bad, de Bryan Cranston, se réveille, et en fait, toute l'histoire de Breaking Bad était un rêve de Hal dans Malcolm. D'ailleurs, ils ont carrément rappelé aussi l'actrice de Lois. Comme je l'ai dit plus tôt, le créateur a avoué s'être inspiré de sa propre famille pour faire la série. En effet, sa mère semblait extrêmement stricte et il a grandi en plein milieu d'une fratrie. Dans le suivi du quotidien de cette famille banale, sur laquelle on reviendra plus en détail un peu après, on retrouve complètement les codes des sitcoms classiques. Dès 1939, The Aldrich Family racontait sous ce format de sitcom, d'abord à la radio, puis dans un second temps à la télévision, la vie d'une famille américaine moyenne. Pourtant, et c'est le moins que l'on puisse dire, Malcolm est on ne peut plus dans la disruption des codes de la sitcom. Il faut se replonger dans l'époque. On est, par exemple, en plein milieu de la diffusion de Friends, quand la série est quasiment à son plus haut. Pourtant, quand on la regarde aujourd'hui, Malcolm semble avoir 10 ans de moins. Cela s'explique notamment par l'absence de rires enregistrés ou de rires du public. Aujourd'hui, c'est devenu assez courant, par exemple Brooklyn Nine-Nine, un des derniers gros cartons en sitcom, n'en possède pas non plus, mais en 2000, c'était pas si habituel que ça. Ça offre évidemment une vision plus spontanée, plus réelle et plus cruelle des événements. À titre de comparaison, si on retire les rires de Friends, l'ensemble devient beaucoup plus gênant. Pizza's on the way, I told you we wouldn't have to get up. What if we have to pee? I'll cancel the sodas. Pour éviter une forme de malaise à la The Office, qui ne serait pas souhaitée de la part de la série Malcolm, le personnage principal, qui a 12 ans, brise régulièrement le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur. Ça renforce forcément le lien parasocial, mais ça vient surtout permettre d'avoir plus de recul et de rire plus facilement d'événements qui sont, on le verra, parfois difficiles, voire tragiques, car ça nous rappelle qu'on a bien affaire à une fiction. Le fait d'avoir un protagoniste qui brise le quatrième mur est une disruption, mais le fait qu'il ait seulement 12 ans l'est au moins tout autant. D'ailleurs, à la base, il était même pas prévu que Malcolm n'ait que 10 ans, mais ça ne collait pas du tout à Frankie Muniz, sur qui l'équipe de casting a eu un coup de cœur et a donc décidé de changer l'âge du personnage. A noter que Justin Bierfield, qui joue son frère aîné Reese, est plus jeune que Frankie Muniz dans la vraie vie. Mais bon,
ça se voit pas trop à l'écran. Ce qui permet aussi, selon moi, à la série de bien fonctionner, c'est qu'on sent que les acteurs sont ultra investis dans leur rôle, notamment, encore une fois, on va y revenir, Bryan Cranston, qui est super investi dans son rôle, qui apparemment a fait toutes ses cascades. L'acteur qui joue Francis a aussi réalisé et écrit des épisodes à la fin de la série, donc c'est pour vous dire à quel point ils étaient vraiment impliqués. Et d'ailleurs, Bryan Cranston a annoncé à plusieurs reprises, alors là c'est ressorti dernièrement, ça fait depuis 2016 en réalité qu'il en parle, qu'il souhaiterait proposer une suite, un reboot, quelque chose en lien et en suite avec cet univers. Et il a même annoncé que tous les acteurs étaient plutôt chauds pour le faire, que lui il était le plus chaud, sauf un. Il n'a pas dit qui c'était, mais c'est plus qu'ultra probablement l'acteur de Dewey qui s'est retiré de tous les réseaux sociaux, de la vie publique, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il me semble qu'il a repris ses études. Ça serait dommage, mais en vrai, ça pourrait être intéressant de voir est-ce qu'il serait capable de faire un revival de cette série. Également, une des particularités de la série se trouve dans sa production. Encore une fois, en opposition au sitcom classique et traditionnel, Malcolm n'est pas tourné devant un public, ni avec plusieurs caméras. Et surtout, le plus souvent, il ne s'agit pas de studio. Ceux qui se souviennent de ma vidéo sur Friends se rappellent des énormes studios dans lesquels tournait l'équipe, et des nombreuses caméras qui rapprochaient la série du théâtre filmé. Dans Malcolm, il n'y a qu'une seule caméra, ce qui offre un style complètement différent au plan, et les décors sont pour la plupart réels, y compris la maison, qui a été retapé entre temps, ça sert à rien d'y aller. Une des forces aussi de Malcolm, c'est de jamais tomber dans le tragique ou dans le tragicomique. Par exemple, je pense à un épisode de la saison 1 où toute la famille doit aller à l'enterrement d'une tante, et c'est jamais tourné avec la moindre tristesse ou culpabilité, au contraire. Et si ils arrivent à faire ça, c'est parce que la série adopte complètement le point de vue de Malcolm sur la situation. Et le point de vue d'un enfant de 12 ans, sur n'importe quelle situation, il est forcément plus léger. Et donc, on adopte le point de vue de Malcolm d'un point de vue scénaristique, notamment aussi parce que il est capable de briser le quatrième mur, il est vraiment le personnage central, et c'est à travers ses yeux qu'on suit vraiment tous les événements, mais aussi d'un point de vue de la mise en scène. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une seule caméra, contrairement aux autres sitcoms où il y a souvent plusieurs caméras. S'il n'y a qu'une seule caméra, c'est aussi parce que ça va permettre de faire des plans beaucoup plus serrés, parce que s'il y a plusieurs caméras, elles vont rentrer dans le champ les unes des autres, et donc on peut se permettre aussi d'avoir des plans beaucoup plus serrés sur Malcolm, qui vont isoler le personnage et montrer à quel point il est le point central et le point d'orgue de la série. The fears we had with doing a single camera show was without the studio audience there to laugh. We felt that we had to bring a lot of energy to the show with editing and with music and with crazy camera angles. Et donc, si en soi, la série est loin d'avoir tout inventé, hein, les films de John Hughes, notamment Ferris Bueller Days Off, sont sortis plus de 10 ans avant et instauraient déjà certains codes, il est indéniable que Malcolm aura laissé son empreinte sur l'univers des séries télé. Il est plus que probable qu'un show comme Tout le monde déteste Chris, autour d'une version rajeunie du comédien Chris Rock, n'aurait sûrement pas vu le jour sans cette dernière. Et j'avoue que c'est vachement intéressant de voir une sitcom, en tout cas à cette époque, qui décide de ne pas prendre le parti pris d'avoir la petite famille traditionnelle classique, même si c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous encourage fortement à regarder le film Pleasantville avec Tobey Maguire, qui raconte justement l'histoire d'un jeune adulte adolescent, il me semble, qui rentre dans l'univers de sa sitcom préférée, où c'est la petite famille américaine parfaite, et qui va un peu révolutionner tout ça. C'est un film que je trouve ultra sous-coté, et que je vous conseille si l'univers des sitcoms vous intéresse. Mais ce qui fait tout le cœur de la série, c'est évidemment les dynamiques de la famille, qu'on prend plaisir à suivre, et leurs évolutions. Ainsi, Malcolm peut se permettre de plaire à la fois aux enfants, qui vont s'identifier à la fratrie, et aux parents, qui vont s'identifier à Lois et Hal. Le générique le met bien en évidence avec le « You're not the boss of me now » qui peut se comprendre des deux points de vue. Dans cette perspective, Malcolm s'inscrit pleinement dans la continuité de séries comme les Simpsons. On va suivre le quotidien d'une famille issue de la classe moyenne avec un nombre important d'enfants. Pourtant, on sent déjà qu'il y a une adaptation et un changement sociétal dans l'époque. En effet, alors que Marge est le plus souvent mère au foyer et n'a pas de travail stable, Lois possède un job de caissière qui, et on le développera, est essentiel pour subvenir aux besoins de la famille. Le modèle de la petite famille parfaite, avec uniquement le père qui a un travail sans grande qualification et la mère qui s'occupe du foyer, est révolu. La classe moyenne a changé et s'est transformée. Cette notion de classe moyenne est vraiment centrale dans la série. D'ailleurs, on peut même aller jusqu'à se demander si le nom original, Malcolm in the Middle, fait référence évidemment au positionnement du personnage au sein de sa fratrie, mais aussi au positionnement social de sa famille. C'est un petit génie. Et alors qu'on pourrait se dire que la série suivrait une structure classique de success story comme les Tuches, avec le petit surdoué qui permet à toute sa famille de s'élever,
ce n'est pas vraiment le cas. Et cette affiliation très forte avec la classe moyenne peut aussi être vue comme un facteur de succès de Malcolm. En effet, les études montrent que, quelle que soit la catégorie de revenus des individus au sein de chacune d'entre elles, se trouvent des gens se revendiquant de la classe moyenne. Oui, même certains millionnaires se revendiquent de la classe moyenne. Et c'est pas nouveau. En 1930, un article du New York Times révélait que 90% des Américains se considéraient comme appartenant à la middle class. D'ailleurs, je suis sûr que si je fais un sondage parmi vous, l'immense majorité se mettra dans la case de la classe moyenne. Ce qui fait qu'hormis de rares exceptions de personnes très aisées ou à l'inverse dans une très grande précarité, on peut tous plus ou moins s'identifier à la situation de la famille. D'ailleurs, je suis sûr qu'à moins que vous soyez un gros fan de la série, si je vous demande quel est le nom de famille de la famille de Malcolm, bah vous serez incapable de me répondre. Et c'est normal, l'objectif c'était que toutes les familles et tout le monde puissent s'identifier, ça rentre encore dans cette logique de classe moyenne et du fait que chacun puisse s'identifier, et donc le créateur a décidé de ne pas donner de nom. Au moment, un personnage a un badge où il y a marqué « No last name » à la place de son nom. Mais si vous êtes bien attentif, dans le pilote, on aperçoit Francis avec un badge, et cette fois il est marqué « Wilkerson ». Donc théoriquement, le nom de famille de la famille de Malcolm est Wilkerson. Ils ont certes une maison dans une banlieue pavillonnaire, mais elle est dans un état déplorable, et de même pour la voiture par exemple. Et surtout, on vit les difficultés économiques des parents. C'est à l'opposé de ce qu'on peut voir dans Friends au même moment, où on y suit des trentenaires, parfois sans travail, qui vivent en plein New York et pour qui, à de rares exceptions, l'argent n'est pas tellement un problème vital. Et même si de nombreux spécialistes remettent en cause, on avait vu cette moyennisation de la société aujourd'hui, au début des années 2000, c'est un sentiment qui perdure encore de manière assez forte dans notre société. Pour moi, Malcolm est l'illustration parfaite de la mort, ou au moins de la profonde transformation que connaît le rêve américain. L'American Dream et l'American Way of Life sont quasiment nés en même temps que les États-Unis. Lors de leur création, les pères fondateurs avaient comme projet de mettre sur pied un pays dans lequel il était possible de jouir d'un bonheur et d'une liberté, notamment d'entreprendre et de réussir. Pour ce qui est vraiment du terme American Dream, certaines sources tracent son origine à James Truslow Adams, un auteur qui, en 1931, pendant la Grande Dépression, a écrit le livre The Epic of America. Il parlait des États-Unis en ces termes. Un pays dans lequel la vie devrait être meilleure, plus riche et plus complète pour tous, avec des opportunités pour chacun, indépendamment des circonstances de naissance ou de position sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, les vétérans revenus du front ont obtenu des taux d'intérêt extrêmement avantageux et ont pu ainsi plus facilement devenir propriétaires et construire de nouvelles maisons. C'est comme ça qu'est née cette classe moyenne, dont le rêve ultime est de vivre dans ces petites banlieues pavillonnaires qui se sont formées autour des villes. De Citizen Kane à Forrest Gump, le cinéma et la télévision américaine n'ont cessé de mettre en scène ce rêve américain. Mais sans tomber dans la réflexion panique, le temps 2001 et le climat du début du 21e siècle a participé à grandement remettre en cause ce qui était de toute manière plus un mythe qu'autre chose. En 2016, seuls 38% des Américains pensent que leurs enfants vivront mieux qu'eux. L'espoir même d'ascension sociale semble avoir fortement diminué. Comment pourrait-il en être autrement dans un contexte où les Américains sont endettés à des hauteurs inimaginables ici et l'accès à la propriété, le centre névralgique du rêve américain, devenu de plus en plus difficile. The Adam Bros YouTube channel is entirely self-produced. It does not contain any product placements and does not require crowdfunding. To continue to exist, it needs your support. To do so, you can subscribe to the channel, give a blue thumb to the videos you like and comment your opinion regularly. You can also share the videos with your friends or on your social networks. This really helps, more than you can believe. La famille de Malcolm entre parfaitement dans cette cible de la classe moyenne inférieure désabusée. Et pourtant, tout ceci, c'était avant 2008, et la crise des subprimes qui a durement touché la classe moyenne et mis à la rue beaucoup de monde. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la série pose un regard de victime, ou au contraire une vision conquérante et de motivation sur la situation de la famille de Malcolm, il n'en est rien. Au contraire, le show ne cesse de rappeler la réalité de son slogan. La vie est injuste. À la fin de la grande majorité des épisodes, il n'y a pas de morale. Les enfants, comme les parents, n'apprennent pas de leurs erreurs. Et le monde ne les récompense pas de leurs efforts. C'est l'inverse. L'idée même de méritocratie est balayée quasiment à chaque fois d'un revers de main. Même en faisant du mieux possible, les parents se retrouvent constamment conspués par les voisins et vus comme de mauvaises figures pour leurs enfants. Je pense que c'est une des forces de la série de permettre d'avoir plusieurs niveaux de lecture.
L'enfant qui va regarder, il va voir surtout les blagues un peu potaches. Mais quand on est plus vieux, on peut donc y voir tout ce message sur la société, la vie, la manière dont c'est injuste, la classe moyenne. Il y a plusieurs couches en fait d'interprétation. Par exemple, je sais qu'il y a des féministes qui se sont beaucoup servis de Malcolm pour illustrer et montrer ce qu'était la charge mentale pour les mères de famille. Parce que Lois, et d'ailleurs même l'acteur, même le créateur reconnaît volontiers, a absolument toute la charge mentale. C'est elle qui gère absolument tout. Et donc même sur ces sujets qui peuvent paraître anodins dans la série, en réalité, elle retranscrit des vrais trucs. Un article qualifie même Malcolm d'œuvre socialiste, tant elle tend à démontrer l'échec de cet American Dream qui se reflète dans cette famille qui subit coup après coup les aléas de la vie d'un ménage précaire de la classe moyenne. D'ailleurs, très régulièrement, les épisodes se terminent par un effet sonore d'une porte qui claque. Cet artifice, particulièrement utile dans les sitcoms, permet de rappeler que finalement chaque épisode revient à la situation d'origine. On a ouvert une porte qu'on a ensuite refermée. You've been nothing but a problem since the day you were born. Your problems are over, lady, because I'm out of here. C'est la définition et l'illustration du statu quo, nécessaire aux sitcoms comme Malcolm, dont le lien narratif se fait sur la longue durée et rarement sur un seul épisode. Mais ça sert aussi à mettre en évidence que le personnage et sa famille sont bloqués et restent dans la même situation. Parfois c'est une bonne nouvelle, parfois moins. On a quasiment affaire à une satire sociale. J'irais même jusqu'à dire que ça me fait penser au chef-d'œuvre On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, qui raconte un concours de danse pendant la Grande Dépression. Le réalisateur mettait en scène à quel point les individus étaient prêts à tout pour obtenir le prix, en mettant à terre par la même occasion l'idée du rêve américain. L'humour dans Malcolm n'est jamais présent pour moquer la situation familiale, mais au contraire, pour la mettre en évidence. Ce qui frappe directement, et ce qui rend cette série si particulière, c'est justement cette dichotomie entre l'image qu'on pourrait se faire en lisant le synopsis de la vie d'une famille en banlieue américaine avec un jeune enfant surdoué, et ce que montre la série, bien plus proche de la réalité. La fin du show est à ce niveau un rappel plus que clair. Malcolm finit par être accepté à Harvard, l'école la plus prestigieuse des États-Unis, l'assurance d'une ascension sociale, la réussite tant promise par son pays. Mais il est obligé de faire technicien de surface dans cette même école pour pouvoir se payer les frais de scolarité qui sont hors de sa portée. Voilà le sentiment de la classe moyenne au tournant du 21e siècle. On joue tous le même jeu, mais pas forcément avec les mêmes dés. La happy end n'existe pas. Et d'ailleurs, ça a été vraiment une bonne surprise pour moi, Malcolm, parce que j'ai pas du tout grandi avec Malcolm. Moi, j'étais plutôt team ma famille d'abord, je sais que ça fait débat. Et donc, j'avais juste regardé quelques épisodes en passant comme ça, mais très très peu, et je me suis mis à la série pour réaliser cette vidéo. Et effectivement, dès les premiers épisodes de la saison 1, ça m'a frappé et ça m'a tout de suite accroché, qui est bien plus qu'une simple série nostalgique qui était diffusée sur M6. Elle l'est. Elle a vraiment une vraie qualité intrinsèque dans ses messages, dans ses personnages. Mais dites-moi, vous, si vous aimez Malcolm, si vous aimez pas, est-ce que vous avez grandi avec sur M6? Ce qui permet d'avoir une autre appréhension de la série, je pense. Donc voilà, dites-moi. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse et voir comment cette vision cruelle et pessimiste de l'American Way of Life se matérialise dans Malcolm, j'ai décidé de me pencher en profondeur sur un épisode de la saison 1 dans lequel Lois perd son travail. La scène d'ouverture suffit à elle seule à résumer la série, où on peut apercevoir le chaos constant qui règne dans le quotidien de la famille. On voit le petit frère Dewey perdu dans son monde, Malcolm et Reese qui se tapent dessus, Lois qui essaye de les corriger de manière radicale et Al qui vit sa vie sans même s'apercevoir des problèmes, laissant la charge mentale à la mère. Puis, après le générique, Malcolm s'adresse directement face caméra. En 1 minute 20, on sait tout de la série. C'est sur une famille désœuvrée, le perso principal est un gamin de 12 ans qui brise le quatrième mur. Le spectateur est alors tout de suite accroché, même s'il n'a jamais vu un seul épisode. Et c'est absolument central pour une série qui est diffusée à la télévision avec des épisodes qui ne se suivent pas forcément. Chaque spectateur doit pouvoir accrocher quel que soit l'épisode par lequel il entre. C'est pas du tout comme une série Netflix. L'extrait d'après montre une histoire avec Francis qui propose son aide à un concours de mise dans le but de séduire les filles présentes. C'est clairement pas sa meilleure storyline et je l'ai pas encore souligné, mais pour le coup, j'aime beaucoup l'idée d'avoir à chaque fois une histoire plus petite, parallèle, avec le grand frère. Ça permet de respirer un peu du désordre de la famille principale, et c'est vraiment plutôt sympathique la plupart du temps. Et c'est donc seulement à un quart de l'épisode, au bout de 5 minutes, qu'apparaît l'élément déclencheur. Dewey a volé une bouteille d'alcool au magasin où travaille Lois. Et après une remarque de Al qui permet subtilement de souligner leur situation économique, la mère de famille décide de rendre la bouteille au magasin. Sauf qu'en la prenant, son patron la vire. Et pour moi, on est en plein dans l'idée à la fois de la vie injuste, mais également celle de l'oppression de la classe moyenne. En décidant d'elle-même de rendre la bouteille qu'elle aurait pu garder, Lois n'est pas remerciée. Il n'y a pas de petite morale.
Non, au contraire, ce qu'indique l'épisode à ce moment-là, c'est qu'ils auraient mieux fait de ne rien dire. Puis, là où dans Friends, quand Ross se fait renvoyer pour excès de colère, c'est une petite blague sans véritable conséquence matérielle, ici, les retombées se font immédiatement sentir. On voit la famille ne plus pouvoir laver leurs vêtements et avoir même du mal à se nourrir. Mais le pire arrive lorsque Hal rencontre un problème de santé, qui force la famille à régler une facture très salée à l'hôpital. Encore un petit message politique. Lois a l'occasion de récupérer son travail, mais elle doit officiellement s'excuser auprès de son manager, ce qu'elle refuse de faire. Elle finit même par l'insulter et balancer tous les dossiers qu'elle connaît sur lui, ce qui le pousse à démissionner et permet à la mère de retrouver son emploi. Ce qui semble à moitié être une morale en fait. Alors qu'on pourrait croire que l'épisode finit sur une touche positive, avec Lois qui essaye de faire un semblant de morale, juste derrière, Malcolm, en essayant de bien faire, se ridiculise complètement devant une fille de son école. Comme quoi, même en faisant de son mieux, on reste toujours à la merci des règles on ne peut plus cruelles de la société et de la vie. Cette vie qui est définitivement injuste. It's all you, man. This is a game that has no winners.